Bien le bonjour, quoi de beau, quoi de beau. J'espère que tu vas bien. je crois, que c'est la première fois que je vous fais une intro du coup euh, que j'avais préparé ça. Bonjour, j'ai lu un manga cette semaine et je t'en parle. C'est le principe de cette chronique sur cette chaîne euh, d'actu manga, euh, actu jeux vidéo, euh, actu euh, film et euh, actu actu. Ouais, je sais pas si on peut le dire. Bonjour, quoi de beau. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un manga. Tu vas le voir apparaître sur ton écran dans très exactement une seconde. Ça s'appelle Look Back, ça a été écrit par Tatsuki Fujimoto et ça a été publié aux éditions Kazé. Juste ici, comme tu peux le voir, le manga j'ai dans la main. C'est le dernier manga que j'ai lu et je vais t'en parler. Moi, j'ai droit à une petite pastille en plus sur mon manga. Euh, tous les mangas longs, c'est un, un geste commercial pour t'inciter à le lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit Il y a écrit par l'auteur de soman Le mec a fait Shensomane. C'est lui qui a fait ce petit manga qui est en one shot. Hein. One shot, ça veut dire que c'est un manga avec un début, une fin. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien d'autre. C'est juste, ça se lit en une fois. Donc du coup, Shensomane, ça fait deux fois qu'on l'aborde vite fait dans Quad Book et que je vous dis que euh, j'en ferai une chronique euh, un jour ci. Un jour ci, un jour là. Mais très bientôt, je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Donc Look Back, euh, qui est un manga tout petit, comme tu peux le voir. Hein. Regarde, c'est très fin. Donc c'est une histoire euh, unique, très fin plus fin qu'un manga, euh, je, crois, je dirais que c'est la, la moitié d'un One Piece ou quoi, et ça va être pour moi, là, maintenant, un exercice compliqué, puisque habituellement, quand je vous parle d'un manga, c'est des mangas qui sont des nouvelles séries qui se lancent, et je vous lis les deux premiers mangas et je vous en parle, parce que je sais qu'après ça va continuer, et je me demande bien ce qui va se passer. Ici, il n'y a qu'un seul manga, quand arrives à la quatrième de couverture, c'est terminé, il n'y aura pas de suite. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais Je vous raconte tout et je pense pas que ce soit la bonne façon de faire, il faut que je reste dans l'esprit de ce que j'ai toujours fait. Donc je vous raconte un petit peu le début, je vous insinue ce qui pourrait se passer ensuite, pour vous donner envie de, de le lire par exemple. Mais sur un manga aussi petit d'un seul tome et surtout aussi court, eh ben la vidéo, elle aussi va être assez courte. Pour m'aider, pour m'appuyer sur le, le scénario, je vais lire ce qu'il y a écrit derrière, qui est le résumé euh, du manga. Nous avons Fujino, d'accord, c'est un prénom, Fujino, adolescente, surdouée, a une confiance absolue en son talent. Ils te disent pas lequel c'est et moi je vais euh, creuser un petit peu plus. Fujino, son talent c'est le dessin. Euh, tu comprendras petit à petit, de toute façon quand tu finis le manga et que tu vois la couverture du, du manga devant tu te dis ah d'accord. Elle a un talent absolu dans le dessin et plus particulièrement dans le manga, d'accord Donc c'est une élève de primaire, ils sont à l'école primaire, je ne sais plus quelle classe exactement, et il y a une histoire de, euh, de comment on dit, de journal de l'école, tu sais, toutes les semaines ou tous les mois, il y a un journal de l'école qui est publié. Et bien dans ce journal de l'école, notre cher Fujino, du coup, a une petite partie qui lui est euh, attitré dans lequel elle fait, euh, bah, tu t'en doutes bien, du dessin, mais plus particulièrement une petite histoire de manga, une petite histoire un, un strip. On appelle ça un strip enfin en France on appelle ça un strip, en au Japon je sais pas comment on appelle ça, mais euh, une histoire en quatre cases, très court, tu vois, petite histoire donc il faut avoir des idées en seulement quatre cases, faut faire passer euh, la blague ou, ou les émotions, ce genre de choses. Donc elle est surdouée, tout se passe bien pour elle à l'école, elle a ses copains, elle fait ses dessins, tout le monde à l'école lui dit waouh ouais, tes dessins c'est trop cool, c'est trop drôle, trop bien. Et ensuite je viens de te raconter là les quatre premières pages du manga. D'accord? Parce que c'est un manga qui va très vite. En plus de ça, c'est un manga qui a pas tant de dialogue que ça. Et tu vas voir sûrement surprendre des, des images, enfin des images, des pages du manga où il n'y a pas une seule bulle de dialogue. Ça se lit extrêmement vite. Je pense qu'en un quart d'heure ou vingt minutes, tu l'as lu le, le manga. Et à côté de ça, nous avons Kiyomoto, une autre jeune fille qui elle se, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Donc c'est une euh, Kiyomoto, une personne voilà, qui, qui est apparemment sur la liste des élèves de l'école. Du coup j'ai eu, eu un bruit, on a entendu un tout tout tout. J'espère que rien n'a bugué dans, dans l'entourage de mon PC. Mais euh, donc Kiyomoto est chez elle, elle est, jamais, elle est déscolarisée mais à la fois elle est inscrite à l'école mais c'est juste qu'elle n'y est jamais allée parce que soit elle a peur, soit elle est malade, des trucs comme ça. On ne sait pas trop tu vois. Mais euh, elle pratique sans relâche et elle pratique quoi sans relâche Le dessin elle aussi, le manga. Parce que un jour, euh, le professeur principal, je sais plus où le directeur, va voir Fujino, donc euh, l'élève principal, l'élève modèle qui fait ses dessins, et lui dire, est-ce que tu peux céder un peu ta place dans le journal de l'école à, donc, cette Kiyomoto qui euh, essaye de s'intégrer dans la société mais qui est toujours chez elle, et voilà, elle aimerait s'intégrer, et elle aime bien le dessin comme toi, donc est-ce que vous pouvez partager à deux cette, cet espace de, du journal de l'école Bon, ben bah, Fujino a fait un peu la gueule, mais a dit, euh, bon, ok, pourquoi pas, de toute façon... Euh, je ferai toujours mieux qu'elle, on sait pas qui c'est cette meuf et puis voilà. Et puis le jour où euh, le premier euh, le nouveau journal de l'école est publié, donc on a toujours l'histoire de Fujino en mode euh, un petit gag classique euh, en 4 cases euh, un petit peu brouillonné, mal dessiné mais tout le monde la clabe et à côté, on a Kiyomoto qui se ramène et qui fait pas de l'humour plus que ça, mais du dessin pur. Du dessin magnifique, du dessin de, de paysage, du dessin de décor, d'une maison, d'une montagne, d'une source. Et c'est juste. Et là, je vais, je vais pourtant parler, évidemment, te trouver ça. Euh, sachant que ça, on arrive à ça, dans la. Je suis en train de te raconter, pardon. 1, 2, 3. C'est la sixième page, d'accord, que je suis en train de te raconter juste ici. Hop. Donc le journal de l'école est ici, hop. Et tu as. Là, à droite de l'écran, donc, euh, le journal de l'école, des CE2, donc, qui est coupé en deux, avec à gauche, donc, les BD rigolotes de Fujino que tout le monde a clamé, et à droite, donc, Kiyomoto, que personne n'a vu venir, et qui te fait des dessins magnifiques d'une salle de classe, tu vois, l'école après les courses, ce genre de choses, et là, tout le monde est en train de se dire « Ah !» Alors, déjà, il faut que je change de scène, excuse-moi, il faut que je revienne en arrière. <laughs> Putain, merde, je l'ai pas préparé sur mon, sur mon clavier, celle-là. Et là, tout le monde dit « Ah !» Oui, alors, ah putain, alors en fait, attends, mais attends, cette fille, elle a, elle a notre âge, mais attends, mais c'est super beau, mais c'est trop stylé. Et là, du coup, Fujino, elle va un petit peu euh, redescendre dans un cran et se dire, ah merde, mais en fait, il existe des gens beaucoup plus forts que moi. Ah merde Mais en fait, euh, elle est trop forte, cette fille, mais on ne sait pas qui c'est et tout, comment c'est comment possible. Et donc toute cette histoire va pousser Fujino donc à se dépasser. Et là, on va voir l'histoire qui va s'accélérer. On était encore qu'au si première page du manga, tu te rends compte, c'est très difficile pour moi de te, de te donner envie de lire le manga sans te spoiler le reste, je fais ce que je peux. Et donc Fujino va donc euh, s'arracher dans le sens où elle va euh, travailler et, et retravailler et retravailler son dessin pour être euh, plus forte. Elle, elle s'est trouvée une rivale en fait, une rivale qu'elle n'a jamais vue, et c'est de là qu'est tirée euh, la, la couverture du manga. Et là aussi dans le manga, on va avoir une, une très belle scène en fait où il y a... C'est la, la, la plus belle planche du manga, je pense, et celle qui... Euh qui représente au mieux euh, l'histoire en fait, euh, toujours des, des plans sans, sans bulle de dialogue où tu, tu lis de droite à gauche, du coup, et tu vois euh, Fujino qui, euh, qui va du coup travailler sans relâche, euh, toujours de dos à la caméra, caméra si je puis dire, t'as compris, en train de travailler à l'école, en train de travailler euh, euh, chez elle, dans sa chambre, dans un parc, et tu vois les, les livres dans sa chambre qui s'accumulent, qui lui. Euh, des livres euh, d'apprentissage de, de dessin. Je tourne la page, tu vois, et on continue avec des plans comme ça. Et ce, ce plan-là est très joli parce que, s'il me fait le focus, on voit les saisons en arrière-plan, ça donne envie. De, de regarder un petit peu tous tout, tout les éléments qu'il y, qu y a dans sa chambre qui évoluent, euh, on sent bien le, le temps qui passe en fait. Et donc Fujino va tout faire pour être, euh, pour être meilleur. Spoiler, elle ne le saura pas. Après tous ces, tous ces moments où elle travaille à fond, à fond, à fond, eh ben, euh, Kiyomoto reste meilleur et elle est dégoûtée. Donc elle abandonne. Elle abandonne tout. Elle abandonne le dessin, elle abandonne le journal de l'école. Elle est dégoûtée, elle fait bon, elle, elle, ça me saoule, c'est pas pour moi, elle s'en va. Donc elle abandonne, elle reprend ses cours, et revoit ses copains, parce que là elle travaillait tellement qu'elle voyait plus beaucoup ses copains, et elle fait c'est bon, c'est plus pour moi. Et à la fin de l'année, quand c'est fini, la fin de l'année, tout le monde dit ouais, c'était cool, au revoir, vous allez nous manquer, ils se séparent tous. Le professeur principal de l'école demande donc à Fujino Excuse-moi, est-ce que tu peux amener, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est le, le bulletin scolaire, à Kiyomoto, qui est cette fille qu'on n'a jamais vue, qui est chez elle. Euh, ça passera mieux si c'est toi qui y vas, surtout que vous avez partagé euh, indirectement euh, le journal de l'école, et puis ce sera l'occasion de vous rencontrer. Donc. Elle dit à contre-coeur, elle fait non vraiment, je veux... non, vraiment, monsieur, je veux pas y aller. Et bon, elle y va. Et du coup, là aussi, encore une fois, il y, y a une scène. Et ça, je vais te la retrouver. Ça va arriver assez rapidement dans le manga. Scène. Où on entend, on entend, on lit pas grand chose parce qu'il y, y a peu de dialogue. Donc Fujino qui rentre, donc euh, au calme chez quelqu'un, la porte est ouverte, il n'y a personne qui répond, elle, elle rentre au calme. Et euh, scène, euh, alors c'est moi qui me suis fait un film, je me suis dit, oh peut-être surnaturel, je me suis dit, j'ai eu peur parce que sans dialogue, et puis vu les mouvements de. de Excusez-moi mon expression quand je dis mouvement de caméra et emplacement de caméra, tu vois ce que je veux dire. Mais vu la perspective du, du dessin, je me suis dit, oula mais. Il y a quelque chose de bizarre qui est en train de, de se passer dans la, la maison, je comprends pas bien ce qui se passe. Et ces dessins où il n'y a pas de bulle de dialogue, ben je, je t'avoue, ça m'a fait rentrer très facilement dans, dans l'histoire et, et j'appréhendais le moment où j'allais à chaque fois tourner, hein, tourner la page du manga, je ne savais jamais vraiment dans, dans quoi le manga s'embarquait, si on partait sur quelque chose de, 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 de surnaturel ou de très réaliste pour le coup. Et je m'arrête là et j'en dirai pas plus. Je suis désolé, il faut bien que je m'arrête à un moment donné dans, dans, dans l'histoire du manga pour vous pour je sais pas vous donner envie de lire la suite et je pense que c'est le meilleur moment de, de pour s'arrêter là du coup. Je crois qu'on est à la page on est à la page. La page que je viens de vous montrer, c'est la page 30. C'est la 30e page, tu vois. J'ai juste montré que ça du manga et il reste encore tout ça. Et je n'en dirai pas plus. Je suis désolé. Alors, euh, précision, d'accord Encore une fois, je le redis parce qu'il y a encore des gens qui se qui se font des, des pas des idées mais J'assume le fait que ce soit pas clair là-dessus, mais... Parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair, euh, toutes mes vidéos que je fais où je parle d'un manga, ce n'est jamais sponsorisé, d'accord Je ne suis pas payé pour le faire, il euh, n'y a pas l'éditeur qui m'a dit S'il te plaît, fais une vidéo ou quoi, c'est juste du plaisir parce que j'aime lire des mangas. Et j'ai toujours rêvé d'être euh, ce genre de, de youtubeur qui fait, qui fait sa petite chronique sur YouTube où il parle de manga, où il parle de films, parce que j'ai déjà vu plein d'autres youtubeurs qui faisaient ça, des plus grands que moi. Et je me suis toujours dit que euh, bah voilà, j'aimerais bien partager cette passion euh, à travers moi. Donc, du coup, tout ça pour dire que euh, c'est masquin de ne pas vous raconter la suite. Parce que j'ai envie que vous vous intéressez au manga, parce que c'est un, un bon moment, c'est très rapide, tu vois, c'est un quart d'heure, vingt minutes, ça va pas plus, pas plus loin, mais tu passes un bon moment en l'ayant lu, mais c'est pas une stratégie commerciale dans le sens où parce que ça peut être sponsorisé, Farod, il est payé, je sais pas quoi, rien du tout. Dites-vous bien que, et là je parle en mon nom, pas au en nom, en nom des autres youtubeurs ou streamers, quand je fais quelque chose en partenariat avec une marque, ou que c'est sponsorisé, je le dis dès le début, dès les premières secondes, et c'est écrit en gros en première ligne de la description. Et sur cette chaîne spécifiquement, qui pourrait être amenée à avoir des partenariats, parce que je vais parler d'un film, parce que je vais parler d'un manga, parce que je vais faire un unboxing, il y aura toujours écrit dans la description en dernière ligne, tu remarqueras pour toutes les vidéos de la chaîne Quadbo, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Au moins c'est clair et net, comme ça c'est t'as le moindre doute, tu vas regarder dans la description. À ce jour, il y a juste une vidéo qui était en collaboration si je puis dire, c'était la vidéo où je parlais de Kingdom, parce que... Ils m'ont envoyé le manga, et parce que euh, on a mis en place une espèce de concours pour faire gagner des tomes de Kingdom sur, euh, sur Instagram, donc je pouvais, pas, je pouvais pas me permettre de dire que c'était pas sponsorisé, mais j'ai pas été payé du tout, quoi que ce soit, ou alors on peut dire que j'ai été payé avec des mangas, si, si tu veux, on peut dire ça comme ça, mais rien de plus. Donc Et là, à la limite, j'ai dit bah, merci au partenaire, tu vois, partenaire qui est euh, euh, Kingdom, mais sans plus, voilà. J'espère que j'ai été clair. Je, je voulais euh, revenir là-dessus parce qu'il y, y a des gens dans les commentaires des fois qui comprennent pas trop. Euh, voilà, j'ai un commentaire. Je vous l'ai déjà dit l'autre fois sur le manga euh, a Couple of Cuckos euh, et euh, je l'ai un peu pas descendu, mais tu vois, j'ai un peu dit que c'était pas mon style et j'aimais pas trop. Et quelqu'un en commentaire qui m'a dit mais c'est bizarre d'être aussi honnête euh, quand tu fais un partenariat. Non, tu vas pas avoir des problèmes. Mais bon, du coup c'est pas un partenariat. Look back, du coup, j'ai passé un bon moment. Même si c'était rapide, c'était très sympathique. C'était c'est un style de dessin, comme j'ai pu te le montrer, essayer de te le faire passer, euh, qui, qui te fait avoir des émotions, et tu sais pas quelle émotion exactement tu as, ça va très vite, j'avoue, euh, quand c'est fini, ben c'est fini, t'es en mode « Ah !» Putain, c'est dommage, j'aurais voulu que ça dure, mais bon, c'est un one-shot, forcément, et, euh, et j'aimerais vous raconter un petit peu plus l'histoire, euh, parce qu'il y a un gros événement qui se passe vers le milieu, pile au, pile au milieu du manga, il y a un événement qui se passe dans le monde, euh, dans ce monde-là, qui, euh, qui fait allusion à un événement qui s'est passé dans la vie réelle, et... Euh, et comme euh, le manga parle de quelqu'un qui est en train de devenir mangaka, indirectement, hein, au cas où tu ne l'avais pas compris, ça, ça va être ça l'histoire, c'est que euh, la fille va devenir euh, mangaka, et euh, donc c'est un mangaka qui fait cette histoire sur quelqu'un qui devient mangaka, avec, en racontant un événement qui s'est passé dans le monde entier, lié à l'histoire du manga, grave, il y a plein de choses qui rentrent en compte. si te, Tu te dis, ah oui, d'accord, ok, l'auteur, il a fait référence à ça, il, il, il rend hommage à ça, et voilà. Mais je n'en dirai pas plus, voilà, je suis coquin. J'espère que cette nouvelle review de manga t'a plu. Je te dis à, à la semaine prochaine, du coup, pour une autre review. Et puis,. Um... Et puis surtout, je ne suis, suis pas expert dans ce domaine-là, donc si jamais tu as des conseils à me donner, si jamais tu trouves que j'aurais dû, par exemple, pour les one-shots, raconter toute l'histoire qui t'a spoilé et, et pas donner envie aux gens de, de le lire, eh dis-moi le dans les commentaires, je, je prends. Parce que j'ai je, je, fait ce que je pensais être le mieux, mais peut-être que ce que j'ai fait n'était pas le mieux. Donc tu me diras dans les commentaires YouTube euh, ce que tu en penses. Je te dis à bientôt, au revoir, la rediff est finie.